Vous êtes content, Ubisoft? Ça, c'est dans votre grand-mère! Vous me demandez si je suis heureux, mais comment voulez-vous être heureux quand votre club est dernier de Ligue 1? Comment voulez-vous? Je vous pose la question! Dites-vous que normalement, le derby, on le joue contre l'Olympique Lyonnais. L'année prochaine, on va le jouer contre qui? Contre Grenoble. Bravo! Génial! Et pour vous dire, les mecs, à quel point j'aime mon club, j'ai même acheté un putain de caleçon! Qu'est-ce que je suis pas fait? Oh là là! Tout ça pour aller en Ligue 2! Ça me fait la peine! J'adore le projet! Oh putain! Quoi qu'il en soit aujourd'hui, on est de retour pour jouer sur le compte de Léo, pour passer son compte de cuivre à diamant. La mission est très compliquée. Petit récapitulatif de la dernière vidéo. Du coup, je sais pas ce que Léo va être classé, j'espère un truc bien aller. Oh frérot, non! T'as fait quoi? La mission sera compliquée, la mission sera dure, aussi dure que mon immense sexe. S'il pouvait y avoir 3000 likes, je vous fais une pipe. No fake, ne faites pas 3000 likes. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est parti les mecs. Comme vous le voyez à l'écran, actuellement nous sommes Copper 3. Ouais, ça va être dur de monter cette chose. Ça va être très dur. Oh misère. Vous savez ce que j'espère juste? Tomber avec des bons alliés. Et un célèbre philosophe a dit: un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc on va prendre nos responsabilités et on va transformer ce cuivre en putain de diamant. C'est parti. J'ai hâte de voir les bannes des cuivres. Oh non! Mais ça commence! Vraiment changer la putain de ta mère. Les bans sont plutôt cohérents. Mais on commence, on est déjà 4. Putain, sérieux! Casse les couilles! Bon après, le frérot, il a pas non plus 36 000 opérateurs. On prend qui, Venom? Excellent choix. Compte sur nous pour les punaises! En fait, les gars, une fois que t'es cuivre, tu y restes toute ta vie. On va le faire, Léo. T'inquiète, ma couillasse. Et personne va nous empêcher de le faire. Sur la tête de ma mère, ça va pas se passer comme ça. Personne! Il est où, s'enculé? Ah d'accord. Eh bah putain. Il est chaud frère lui hein. Oh, je vais commencer par jouer des opérateurs qui sont bons. Ta signe du porn est mauvaise. Tu vas pas commencer toi. Moi juste les gars, ce que j'ai envie de comprendre, c'est pourquoi y'a un fils de pute, il quitte direct la classée comme ça. Le mec il lance une classée pour la quitter. Mais va niquer ta mère. Pardon pour les grossièretés. J'ai pas le droit d'échouer. J'ai pas le droit. Non mais va sur Objo frère. Confiance en personne. Oh là là. Mais toi aussi va sur Objo. Qu'est-ce que tu fais un trou du cul avec ton trou là? Putain les gars. Bah ouais, ça a ouvert le mur. Pourquoi j'ai un silencieux? Oh ça push et tout. Oh là ma couille, c'est pas des cuivres. Oh non, ça plante, ça plante. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mon cul les gars, on se fait casser le cul à la rigueur. Oui, ça c'est vrai, ça prend le rappel. Ah ouais. Ah. Allez, le grand pouvoir il arrive. Ah, oh putain. Oh, c'est trop tard les mecs, j'arrive pas à savoir si elle est bien ou pas. T'en cru quoi? Pour Léo. C'est pas grave si on est 4, c'est pas une excuse. Enfin, un petit peu quand même. Bien joué, on passe à l'attaque. Qu'est-ce que je peux prendre? Non, je suis à chier, on va prendre Termite. Dans une récente vidéo, les mecs, je vous avais dit que je vous parlerais d'une théorie par rapport aux hôtels. Je sais pas si c'est le moment le plus approprié pour le faire, mais je vais le faire quand même. Quand il y a des mecs qui vont en boîte de nuit, moi sachez que je n'y vais pas, parce que c'est pas mon délire. Donc t'as des mecs qui rencontrent une femme, donc ils font connaissance, et puis après arrive le moment, tu vois, où ils vont pour aller peut-être niquer. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'hôtel. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui va payer l'hôtel. Bon, tu connais la galanterie. Faut toujours être galant avant d'éclater une vulve. Oh, mais l'hôtel, les mecs. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais ça coûte cher, un peu. Donc, ma question, pourquoi payer l'hôtel qui est au même prix qu'une pute? Ça sert à rien. C'est de la perte de temps. Quelqu'un peut me casser les bandits, s'il vous plaît? Allô? Quelqu'un peut me casser les bandits? Toi, par exemple? On s'en bat les couilles. Tu mets une grenade là-dedans? Non, t'as pas envie! Merci! C'est très gentil! Vas-y, casse les bandits, frère! Merci, ma gueule! Je savais que je pouvais compter sur toi! Ah, ayez un fus dans votre vie, les amis! Ça change la vie! Y'a les fils de pute! Et y'a les fus de pute! T'as compris le jeu de mots? BOUM! Ben voilà, clutch! Ouais, je vais pas le faire! Je me retrouve en 1v5 à toutes les games, mon frère! Tu baisses ta grand-mère! Rafale, S.E. Laissez-moi vous droner en paix! J'ai un abonné handicapé, les mecs! Soyez sympas! On va les couilles, frère. Laissez-moi gagner! Pour lui faire plaisir! Mais comment je vais être censé faire, t'es mort? Il garde le diffuse! Shoot de plomb! Il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Ok, je fais genre que je suis là. Allez, c'est des cuivres, les mecs! Mais j'ai l'impression que c'est des diamants! Je n'ai confiance qu'en Zizou dans les arrêts de jeu. Je vais perdre, il me reste 5 secondes. Putain! Restons calmes, restons calmes. Mais pourquoi on est 4v5? Parce que t'es qu'une merde. Putain! Quand t'es cuivre, tu restes cuivre! Allez, c'était une game d'échauffement. En vrai, un truc qu'il faut souligner, ils font des très bons bans. Mais au moins, on est 5v5, là. C'est un très bon point, ça aussi. Non, pas ça. Putain, s'il vous plaît, tout, mais pas ça. Je vais vous dire un truc où je suis sérieux, mais j'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Jouer contre des cuivres, c'est plus dur que de jouer contre des diamants. Je vous le promets sur la tête de ma mère. Je préfère jouer contre des diamants plutôt que contre des cuivres. La vie de ma mère. Allez, mon grand, faut pocher.
Montrez votre cul. Ça on casse, allez allez. On push. Ah, en fait on sait pas comment jouer les cuivres. Ils jouent comme des fous frère. Je te jure c'est des malades mentaux. J'ai un problème. 4v5, ça commence. C'est pas compliqué. Allez les mecs, sortez vos doigts du huc. 4v3, allez, vamos. Y'a un mec au bas, comprends l'info. Ah ah. Qu'est-ce que tu fais? Putain. J'ai juré, c'est pas des cuivres ça. Mais c'est pas des cuivres. Mais j'ai pas le droit d'être heureux. Mon club il va aller en Ligue 2. Léo il sera pas platine. J'ai un micro-pénis. Hein quoi? Je le savais. Ferme ta gueule. Enfin c'est des PGM avec moi, ils sont nuls. Putain. C'est pas des cuivres enfin, je refuse d'y croire. Je joue mieux contre des diamants. Mais je le jure que c'est vrai. C'est quoi H? Oh H, va te faire enculer. Je vais prendre Sledge. Allez, mon téléphone qui sonne. Allô? Non, je suis en train de faire... Ouais. Non, je suis en train de chier. Putain. Mais chier. D'ailleurs, petit message à toutes les meufs. Alors, j'ai pas de meuf, mais bon, c'est pas grave. Je passe un petit message quand même. Arrêtez d'appeler vos gars quand ils sont en train de jouer à Foot Champion. Allez vous faire foutre. Oh, c'est pas possible, ça. Voilà. C'est ça, mon gars. C'est quand même pas des cuves qui vont me casser le cul, si. J'ai dit. C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. C'est pas des cubes qui vont me casser le cul. Alors maintenant, on se serre dans le cul. Ça va péter. Ah. Pardon. Bâtard, bah. J'ai l'info. Ah. Tu vas mourir, enculé. Il est pas mort. Faut planter. C'est comme les bananes plantains. On plante. Wouh. La Ligue des Champions. Ne jouez jamais contre des cuivres. Ces mecs-là sont plus forts que les diamants. Oui, non, excuse-moi. Oui, ce soir. Allez, je suis une plante. Je ne bouge plus. Faut se boisson, les gars. En V4. Attention, les plots. Ok, est-ce que ça passe le C4 là sur ce sol ici? En vrai, faudrait tester. Hein. Vite, test. Oh. C'est pas des cuivres. Sur la tête de ma mère, ça c'est pas un cuivre. Un cuivre, il joue pas comme ça. Putain. Vous avez vu le shoot qu'il a eu? C'est pas un cuivre. Ah non, frérot. Le mec en face, il a 35 kills. Je refuse de croire que c'est un cuivre. C'est pas possible. À un moment donné, c'est pas possible. C'est comme si tu fais battre un mec de 40 kilos contre un mec de 125 kilos. À ton avis, qui c'est qui va gagner? Pose-toi les bonnes questions. Mais je comprends pourquoi vous êtes cuivre, les mecs. Je comprends terriblement. Je vous comprends, mais tellement. C'est impossible de sortir des enfers. Une fois que t'y es, t'y restes. Attends, je perds ma voix. Au bac. Faire du sale est une promenade de santé. T'as le PGM là-bas, il fait tous les kills, frérot. Le mec, il est en 52 kills. Je l'ai eu. Je peux pas perdre. Pas pour toi, Léo. Moi, je m'en fous de perdre sur mon compte. Je m'en fous de me faire péter le cul par des diamants. Même faire péter le cul par un cuivre. Je refuse d'accepter ça. C'est de l'orgueil, les mecs. Quoi? Oh, c'est quoi ça? Je suis sur ma caméra. Regarde ce que j'ai pris. Mais c'est pas possible. Frère, la tête de ma mère. C'est impossible. C'est l'euphorie. Non, non. Mais frérot, tu l'as fait la fenêtre. Non. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Allez. Oh. Je vais pleurer. Avec moi, gros, c'est des manchots. Tire, manchot. Mais putain. Ne pique pas. Non, ne t'y pack pas. Non. Ne vise pas. Mets-toi dans un coin. Attends. Il va rentrer pré-shot. Ouais. Enfin, c'est des PGM. Avec moi, c'est des manchots. Avec moi, ils ont pas de main. Putain. Putain, j'ai mal à la tête à force de crier. Oh, mais c'est quoi cette vidéo? Si on m'avait dit que c'était ça, de jouer chez les cuivres, j'aurais jamais cru. Ils sont trop forts. C'est pas possible. De toute façon, il peut rien m'arriver de pire. Mais comment? Comment voulez-vous gagner avec des gens qui ont des skins roses? Alors j'ai rien contre la couleur rose. Mais comment voulez-vous gagner? J'ai l'impression qu'on est en finale de Ligue des Champions. 4v5, la manche vient de commencer. Comment tu peux mourir? Attends, il vient de rentrer lui à la salle de bain. Ah, bien sûr qu'il est rentré. Let's go. Il y en a encore un qui arrive. Oh, il m'a acheté une grenade. Grenade. Non. Grenade dans la gueule. Pas comme ça. Mais c'est pas cuivre. Les cuivres, ils font pas ça. Je le jure sur la tête de ma mère, ils font pas ça, les cuivres. C'est la révolution. C'est un faux cuivre, ce mec. Je peux pas y croire. Je peux pas y croire. C'est impossible. Ah, les gars! Elle va niquer ta mère! Va niquer ton père! Va niquer ta soeur! Va niquer tes morts! Quoi? Victoire? Ah non, vos adversaires ont gagné! Oh putain, mais les... Oh, c'est pas possible! Non! Mais t'es mort, frère! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Putain! Vous m'avez déjà vu pète contre des cuivres! Je suis là d'habitude contre des diamants, je les pète en deux! Bah non, c'est pas possible! C'est la première fois dans ma carrière Rainbow Six, carrière aussi prestigieuse que tes notes de mathématiques, c'est la première fois que ça m'arrive là, de me faire soulever comme ça, par des gens qui sont censés, bah ne pas te soulever en fait, hein, vous comprenez la nuance, c'est réellement la première fois de ma vie, et en fait là, j'affronte les meilleurs joueurs de Rainbow Six, mais vous avez vu ce qu'ils m'ont fait ou pas les mecs? Défoncé. Ils m'ont fait l'amour. Je te fais l'amour comme un animal. Ils m'ont dépucelé les fesses. Je vais devoir tryharder. Genre vraiment en fait là. Vous avez déjà joué contre des cuivres ou pas les mecs? Sincèrement, vraie question. Ce sont les joueurs les plus forts de Rainbow Six. Ah!
Mettez-moi un frère. Ah, je peux pas y croire. Je peux pas y croire, c'est impossible. Ah, oh, j'ai tué un allié. Mais c'est quoi cette vidéo? Non, ah, pas ça, pas ça. Je suis obligé de droner, hein. Parce que ces mecs-là, c'est des monstres. Faut prendre le diffuse, les gars. Allez, allez. Oui, putain, il fait le taf, mon allié. Je l'aime. Je vais droner pour toi, mon frère. Je suis ta pute. Ta grosse pute, il est là. Vas-y. Vas-y, frère, vas-y. Je pète un câble. Il va trop cher. C'est la première fois de ma vie que je suis choqué comme ça. Soit c'est moi qui est extrêmement nul, ou alors soit c'est eux qui sont extrêmement forts. Et voilà, il a quitté le 4v5. Let's go. C'est pas... Non, ça, c'est une caméra cachée. Caméra, où es-tu? Peut-être dans mon cul, je sais pas. C'est grave, les gars, c'est pas possible. Vous avez mon respect éternel. Qu'il y ait personne qui se moque de vous s'il y a des cuivres qui me regardent. Parce que vous êtes les gens les plus forts de Rainbow Six Siege. Mais sur ma tête, le pire, c'est que je suis sérieux. Vous pensez que je rigole, que je me moque et tout. La tête de ma mère. En fait, c'est les grades qui sont faits à l'envers. Les diamants sont nuls et les cuivres sont des légendes. Hamdouli, Hamdoula. Let's go tout casser. Casser du cul, bien évidemment. Chaque duel que je fais, j'ai peur. Le pouvoir est en moi. Je vais pointer ma force. Je crois que j'en aurais besoin. Que la force de Venom soit en moi. Si je pouvais avoir des bons timings, ça m'arrangerait aussi. Allez, 4v2, les gars, on peut le faire là. Allez, on fait tout ça pour Léo, on le fait pas pour nous. On s'en bat les couilles, nous. Mais c'est pour Léo qu'on le fait. Et je comprends, frérot, que tu galères dans ce grade des enfers. Oh, il est à terre. Par contre, faut trouver l'autre, du coup. Oh, ce qu'il a fait, bien joué, frérot. Pourquoi c'est moi qui ai la killcam? J'ai rien fait. Hein, vous avez envie de m'humilier jusqu'au bout, en fait. Ah! Avalé que ta mère! Non, mais je... Ah, tchèque, on peut calcater, Je parle thaïlandais tellement. J'en perds les mots. Y'a tout qui est contre moi, en fait. Tu vois, j'essaye d'être gentil, de faire le bien autour de moi avec l'abonné. Bah, en fait, j'arrive à rien. T'as pas décidé de rentrer à ta fenêtre, toi, hein? Allez, meurs, enculé! Oh, j'ai fait une double kill au Capcom! Je pense qu'il me déteste. Nice! Je vais m'enjailler! J'ai tué un cuivre! Bisous! Ce jour doit être gravé dans du marbre et gravé dans ma mémoire. Perds pas ton duel, Jäger! Perds pas ton duel! C'est l'heure du duel! Ok, 3-1, les gars, ça commence à être bien. Oh putain! Si on m'avait dit que j'allais tryharder contre des copeurs, j'y aurais jamais cru! Putain, mais il est encore à sa fenêtre, les gars, celui-là. Oh non, on est 3v5, mes frères. Wesh, mais ils sont pas possibles! Bisous sur tes gros seins! C'est des kamikazes! Mais comment ils font pour avoir un shoot comme ça? Moi, quand je voyais des gameplays de cuivre à l'époque, les mecs ils visaient dans le mur et tout. Là, ils visent mon cœur! Il fait saigner mon cœur! Regardez par exemple le gameplay, il s'appelle comment? Il s'appelle Michel, voilà. Le gameplay de Michel, lui, je pense que c'est un vrai cuivre. Dans ses déplacements, ça se voit qu'il a du mal. Et ça se voit que c'est un cuivre, mais y a pas souci. Mais les gens contre qui je tombe en face de moi, ce ne sont pas des cuivres. Ce sont des PGM, je vous le jure. Regarde, ça a posé, Michel, il fait le tour, il sait qu'il a perdu, Michel. Allez, Michel! Allez! Allez, Michel! Je sais pas ce que tu fais avec ton C4, Michel! Oui, Michel, allez! Allez, Michel, ouais! Ça, c'est un bon Michel, oh oui! Michou! Michou! Michou, ouais! Voilà, ça, c'est un vrai cuivre! Moi, je pensais que je tomberais contre des gens comme ça! Mais non, moi, je tombe sur des PGM contre moi! Et avec moi, je tombe avec des Michel! Dédicace à toutes les personnes qui s'appellent Michel. Je vais te faire le cul! Ah, les calculs sont pas bons. Faut que je reprenne la confiance. Parce que j'ai pas du tout confiance en moi. Vraiment. Allez, 3v5, c'est parfait. Allez, 2v5. Parce que lui, il a quitté Michel. Enculé de Michel. Je savais qu'on pouvait pas compter sur lui. Les gars, on est en 2v5 pour éviter d'aller en prolongation. Oh, c'est une flash, wesh. Oh, la tête de moi. Kavira, s'il te plaît, tiens bon. Oh non, ce n'est pas des cuivres. Les cuivres ne mettent pas de nomades. Les cuivres ne savent même pas ce que c'est un nomade. Ah, je rigole, j'abuse un peu. J'ai pas de chance. Kavira, bien joué. Non, sans poser, non. C'est de ma faute, je suis en haut. Comme un fils de pute, je suis en haut. Qu'est-ce que je fais en haut? C'est mort. C'est pas mort. Kavira diffuse, c'est pas mort. Non, elle va se prendre la fuse dans le cul. Non, j'ai pris un nomade. Yes, Kavira. J'ai jamais autant aimé Kavira de ma vie. Vamos. Je vais aller me branler. Oh putain. On a gagné une game. Ouais, contre des cuivres. On passe cuivre 3. Vamos. Si. T'inquiète, Léo. On va le faire, frérot. Ça va être un peu long, un peu beaucoup long. Mais on va le faire. Je suis content. On s'en bat les couilles. J'ai jamais été aussi content de gagner une partie. Peut-être que je fais pitié. Bah, j'en sais rien comment vous me qualifiez. Mais je suis tellement content pour l'abonné. Mais en vrai, je pensais gagner toutes mes games, tu vois. Je pensais aujourd'hui passer or. Ouais, je pensais passer or. Non. Résultat, on a perdu toutes nos parties pour l'instant, sauf une. Et on est en 5v4. Mais oui, les gars, allez. Y'a un mec dans le jacuzzi. Et moi, je suis dans ma jalousie. On va jouer safe. On va jouer très calmement. On va se dire en face que c'est des diamants. On va jouer en face, tu vois. Comme si c'était des putains de diamants. Des putains de diamants. Ah ouais. Mais je me demande si c'est pas des diamants, vraiment. Ibana, faut que tu fasses les murs là, ma couille. Enfin, ma couille. Mon utérus, plutôt. Là, elle fait le mur, on a gagné, gros. Parce qu'il y a une putain de Mira ici. Comment veux-tu passer face à une Mira? Eh ben, on va faire le bac. Puisque j'avais oublié mes alliés à moi, ils puent du cul.
On va refaire le tour, hein, puisque partout où tu passes, il y a un mec qui t'agresse. Agression, agression. Putain, moi, c'est le Mira qui m'emmerde. Regarde, mais un coup, Yana, ça te coûte quoi de mettre un coup dans le truc? Hein, ça te coûte quoi à part du temps? Allez, on rentre, les gars, on rentre. Je sais pas s'il y a un gars là-bas. Oui, oui, ah, il y en a quoi? Ah! Allez! Plantez-moi ce désamorceur! C'est quand même pas compliqué! Si je meurs, j'insulte votre mère! Oh, bien joué, j'ai cru que j'étais mort! Pas d'insultage de maman! C'est l'heure, les amis. C'est l'heure de, comment dire? Pour rester poli, bien sûr. Parce que j'en ai marre d'être mal poli. J'en ai marre que mes émotions prennent le dessus! Ah! Mais c'est l'heure de leur péter le cul maintenant! On va se prendre un C4, mon gars, avec ce putain de Mira. Ça me gratte mes cheveux, aïe, aïe, aïe. Parce que oui, les amis, je ne suis pas chauve. Regarde, elle est bien derrière son truc, hein. Là, ce qu'il faudrait faire, sinon il va au top, je sais pas si ça marche. Et tu la traverses en dessous, la pétasse. Allez, casse-toi de ton Mira, tu casses les couilles. T'es en train de camper, tu m'emmerdes. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ah, let's go. Bah tu vois là on joue bien. Après c'est logique, c'est des cuivres là. Mais pourquoi avant on s'est fait casser le cul comme ça? Parce que c'était pas des cuivres. Oui, je l'ai répété 40 fois. Et alors? Qu'est-ce que ça fait? Les personnes qui connaissent cette musique. Si je fais tout ça c'est pour Léo. Arrête de tirer sale pute. Moi je m'en bats les couilles de monter de diamant les gars. Mais c'est vraiment pour Léo que je le fais. J'aimerais tellement qu'il se connecte tu vois un jour. Et qu'il ait le pendentif diamant. Alors ok, quand il va jouer en diamant il sera sûrement cassé le huc. Ah c'est même fortement possible. Mais au moins il aura un pendentif les mecs. Et ça pourra lui refaire sa journée tu vois. Des fois dans la vie c'est les choses simples qui font plaisir. Il y a des gens qui ont tendance à l'oublier ça. Les petits bonheurs simples de la vie c'est les meilleurs. C'est ceux qui font le plus plaisir au bac. Je vais rentrer mon gars. Allez allez, couvrez-moi. Ah putain j'ai pris des balles dans le cul. Allez. Oui. On sort. Oui! Putain, je vous mets un drone au bac, les mecs. Je sais pas si vous savez vous servir d'un drone. Repartez du principe que oui. Ça diffuse, je crois. Ça diffuse plus. Let's go! Allez, un petit 3-0, les frérots! C'était de base ce que j'avais prévu pour toutes les parties. Et comme quoi, dans la vie, ça se passe pas non plus comme on veut tout le temps, hein. Mais tranquille, la série va être longue. 5v4, c'est bien ça, les gars, bien wesh. La série va être longue, il y aura plusieurs épisodes. On va dire qu'aujourd'hui, ça nous servira de leçon, tu vois. De ne pas sous-estimer ces cuivres. 4v3, attention, on se réveille, on fait pas de la merde les gars, on anticipe, on sait qu'il y en a un qui est là-bas donc on le back, on y va, et on le finit. Je pense qu'il est à la fenêtre là-bas, voilà. Là je suis en train de revirer à mon prime. Bon c'est vrai, certes c'est des cuivres, mais faut jouer en fait comme si c'était des putains de diamants. Let's go les gars, victoire parfaite, ça c'est parfait. Alors du coup, on passe cuivre 2, ce qui est bien, on gagne 100 points les gars. Ça peut monter très vite maintenant, ça peut monter comme ta bite très vite le matin. Les femmes ne peuvent pas comprendre cette douce sensation. Bref les gars, on enchaîne. On est retombé sur chalet les gars. Ouais, j'ai une recrue en classé ma couille. J'espère que t'es pas un toxique frérot. Généralement les recrues en classé c'est des grosses putes. J'espère que t'es pas une pute toi. Mais Manu, comment il a fait pour être recrue en classé? Bah en fait il a pas acheté d'opérateur tu vois. Donc en gros bah il a automatiquement une recrue. C'est aussi simple que bonjour, mais généralement c'est des enculés. Genre il bousille les parties et tout. Bah j'espère que c'est un bon gars parce qu'en vrai on a besoin de gagner là. Non, 4v5 c'est pas bien. Les gars, faut faire juste l'open kill, après on campe. Non, 3v5, non, non. Le mur il est pas abandi, il est pas ouvert, 2v5, mais comment vous mourrez les mecs? Eh ben vous mourrez comme ça! Mais pourquoi tu joues avec ton masque aussi enculé? Pour pas éblouir mes abonnés de ma beauté! C'est quand même pas compliqué à comprendre ça! Hein, vous avez compris vous! Et au 300k tu vas quand même montrer ta beauté! Oui, au 300k, pas maintenant! Faut tout lui expliquer à ce mec! On va pas revivre ce qu'on a vécu durant les premières games les mecs! Mais avec un mec allongé dans les fougères, j'ai des doutes sur le résultat! Oh je l'ai enculé! Je l'ai fait comme ça! Pouah! Et il recrue est morte! En même temps, recrue, il est dans les fougères frère! Mais ouais, t'as pas géré la fougère! Putain, j'ai le nez qui me gratte, attends, me rush pas, ça me gratte, ça me gratte. Ah! Ah! Oh, mes frères! Nika, ta mère! En plus, les gars, je vous fais une confidence, mais faut le répéter à personne. Je commence à avoir une de ces envies de faire caca. Et généralement, quand j'ai une envie de faire caca comme ça, et bah généralement, c'est pas bon signe parce que j'ai envie de terminer très vite la partie. Vous savez, quand vous avez une espèce de crotte pointue qui vous fait mal au trou de balle, et bah c'est effectivement ce qui est en train de m'arriver. Donc, techniquement, ça aurait été bien de mettre un 4-0 pour que j'aille vite faire caca. Mais. Pardon, je pense que la game va partir en prolongation. Je sais pas pourquoi. Sixième sens peut-être. Et sauf que. Ah, j'ai pas envie de faire caca sur ma chaise quoi. Bah oui le TK. Bien joué les gars. Putain mais franchement, c'est incroyable. Et comme par hasard c'est la recrue qui est morte. Est-ce que la recrue est en train de tout faire pour que. Pour qu'elle passe pour une toxique? C'est possible en vrai. Ça m'étonnerait même pas en vrai de vrai. On est 2v4 les gars, je le sens. Je le sens pas. Allez rentre, 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 montagne. Oh non. C4 de merde. C4 de merde, bonsoir. Maintenant il y a plus de C4. On va se faire enculer le cul. Viens, viens sur site, viens. Parce que vous êtes trop con. Bah oh, frérot, on est vraiment droné en 2v4, mon con. C'est sérieusement sérieux ces conneries, il va me tenter le montagne. Voilà. C'est le déclic les mecs, il aurait jamais dû faire ça. Non je l'ai pas vu. Non fils de merde. Il est resté à sa fenêtre toute la game celui-là. En plus il a un shoot de PGM. Ouais moi j'ai un plan avec moi. Je sais pas, cette recrue elle m'inspire pas confiance mes amis. Non, elle m'inspire vraiment pas la confiance. On va la suivre un petit peu pour voir ses aventures. Eh ben voilà, il vient de tuer un pélo. La vie de ma mère, ça me pète les couilles. Y'a jamais une game qui est à peu près logique sur ce jeu. Non, c'est trop demandé. Oh lésion, oh oh oh. Oui. Non. Oui. Attends, je vais.
t'avoir. Le chute des enfers. J'ai du mal à voir. Faudrait que je me fabrique un autre masque. S'il vous plaît, plantez-moi ce des âmes. Oh, la double grenade, bien joué, enculé. Oh, c'est recrue qui l'a fait. Et pour recrue, allez, allez. Je retire tout ce que j'ai dit sur elle. Tu es la meilleure. Et toi, tu es complètement bipolaire. C'est toi qui parles de bipolarité. Sors de ma tête. J'ai toujours eu confiance en toi, recrue. Personne n'a jamais douté de toi ici. Personne n'a dit que t'étais un toxique sur cette partie, mais... Mais qui a dit ça? C'est pas possible. Tu les vois les figurines derrière, hein? Ah, tu les vois? Ah, bande de pute! J'ai une pulsion, faut que je la calme. Faut que je me calme. Faut que je me calme, putain. Allez, manche décisive, mes frères. Je suis vraiment désolé pour toute cette rage. C'est à cause de Venom, tu vois, il est en moi. Ouais, toujours mettre la faute sur moi. Non, mais c'est vrai, quoi, tu vois. Ça fait un peu ressortir le côté obscur. Regardez, vous voyez, je suis très calme, là. Ouais, mais pour combien de temps? Bah, on verra ça. Si on gagne la partie, c'est bon. Mais si on se prend la remontada, alors que j'ai envie de faire... Caca! Je risquerais de voir un petit peu... Je risquerais de voir rouge. C'est-à-dire, je serais très, très, très en colère. Youpi. Non, y'a pas de youpi qui tienne, on doit gagner pour l'abonné. Ouais, j'ai un C4 d'or, ma couille. La vue de ma mère, y'a un C4. Allez, le dernier va être là, non? Allez, 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 s'il te plaît. Vamos! Vamos! Ah, je suis content! Ouh, on peut se reposer un petit peu. Ah, ça, c'est une belle victoire avec Madame H. Est-ce que, mes amis, on passerait pas cuivre 2? Oh, on est même passé cuivre 1! Mais ça, c'est du progrès! C'est magnifique! Léo, faut pas que tu joues sur ton compte, ma couille, pour descendre le compte. Genre, ne joue plus dessus, prends un smurf, amuse-toi, mais ne joue pas sur ce compte-là, parce que je vais te le monter. Là, on est parti! Tu sais quoi, même, on va te prendre le bronze 4, et on va encore progresser! Est-ce qu'on aura un pack, mes amis? Eh ben non, allez, on l'enchaîne! Putain, misère, j'ai oublié d'aller faire caca. Alors que j'ai la taupe qui est au bout de mon trou de balle. C'est pas grave. On va mettre un petit 4-0 et on en parlera plus. On a du bronze, allez chercher. Et après, vous savez quoi? Je vais aller couler un bronze. Ma bite. Non, les gars, pas de double kill comme ça, putain, c'est interdit. Ah, j'ai un truc qui monte sur les... Ah, sur la jambe. Il y avait un truc sur la jambe, les gars, je sais pas ce que c'est. Oh non, putain, casse les couilles. Pourquoi faut qu'on ait Batteuse Man en face qui fasse tous les kills? Putain. Ah, je serais presque même tenté d'aller faire caca maintenant. Tu vois que t'as pas besoin de moi pour rager. Par pitié, ferme ta gueule, viens pas en rajouter. J'ai pas besoin d'un schizophrène qui vient de me parler, là, tu vois. Oh, il y a Batteuse Man encore. Je sais pas si c'était lui, les frères. Je sais pas non plus si c'était lui. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'heure. C'est l'heure de liquider des mers. Le caca est proche, le caca est très proche. Ça se voit que j'ai envie de finir la game, là. S'il y avait une clé mort, j'étais mort. C'est le principe d'une clé mort. Ta gueule. Wesh. Il est mort comment, lui? Wesh. Des fois, il y a des choses que je ne... comprends pas. Et je pense qu'il ne vaut mieux ne pas les comprendre. Attends, les gars, il y a mon chien qui vient d'arriver dans la chambre. Tu peux monter? Eh, monte. Viens, monte. Eh, saute. Ouais, c'est bien mon gars. Ah, déjà que j'ai du mal à jouer, frérot, si tu mets la tête sur moi. C'est pas grave, c'est bien parce que je t'aime bien mon gars. Ouais, mon gars. Mouah, mouah, mouah. Putain, mais c'est qui l'enculé qui a mis des castles? Bah, c'est vrai, ça doit être Castle qui a mis ça. Mais pourquoi tu fais ça, frère? Pourquoi? Non, ça te dit pas de piquer, non, bah non. Le dernier, il est là-bas en plus, non? Ah non, c'est pas le dernier. Allons le chercher. Allons lui crever les couilles. Théma, comment elle m'attend, je peux pas crier, j'ai mon chien. Alors tu vois, j'ai envie d'insulter sa grosse mère, la reine des putes. Mais je vais pas crier parce qu'il y a petit chien. J'ai pas envie de lui faire peur quand même, je suis pas un monstre. Non, en vrai, mon chien, les mecs, je sais pas quel âge vous lui donnez, mais il a eu 13 ans, il va sur ses 14 ans cet été. Donc en vrai, il fait pas son âge. Déjà que j'ai un shoot là, il est pas top du top. Là, j'ai mon chien qui est sur moi, ma couille. Autant te dire que t'attends pas à avoir un gameplay folichon. Mais je veux juste aller chercher le bronze pour l'abonné. Et après, je vais couler mon bronze et après, je pense qu'on aura fait du bon taf. Même si c'est vrai qu'au début, on s'est fait vraiment chier à la gueule, les mecs. Hein. Ah, mais ce qui s'est passé en début de vidéo, faut plus jamais que ça se reproduise. Mais plus jamais. Non, il renforce la partie, porte, oui, je l'ai eu. Oh, oui, les gars, free kill. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Non, 4v3, les gars, enfin, attention, attention. Oh, la vie de ma mère, il sort d'où, lui? Putain, mais Flores, Théma, il va mourir en sautant du toit. Oh là là. Allez, va planter ton truc. Non, mais plante pas là, mais plante, cache-toi. Oh là là, heureusement qu'il y a Buck. J'ai envie de faire caca. Allez, allez, les gars. Plus vite que ça, faut qu'on rush, allez, s'il vous plaît. C'est tellement, les mecs, la pire sensation au monde. Non, Mozy, non, ouais, j'ai fait quoi, lui? Non, mais, ah, putain! Toujours un poil de trop de balles, je le loupe, comme ça. Bah, techniquement, elle doit être au-dessus, vu que tu veux qu'elle soit, elle est où, là, en vrai? Non, 4v5, non. Ouais, bien sûr qu'il est là. Ouais! Wesh, Blackbird, tu fais quoi, frère? Calme-toi, détends-toi. Ce n'est que moi, je suis ton ami. Ah, le gadget. Ah, encore un! Ah! C'est là que tu te rends compte que porn n'est pas si forte que ça, les mecs, hein, vraiment. Putain, y'a mon chien qui vient de revenir, tâche. Bah, bon, laisse-moi jouer! Ah, non! Non, oh, s'il te plaît, Sophia, faut que tu le tues. Ah bah c'est moi qui l'ai, c'est bon. Allez, 2v3, faut que je fasse tout le travail tout seul, c'est ça? Oh non, Sophia, putain, non. Oh, la grenade, j'aurais pu la mettre, là.
Allez, Bamos, les gars, Bamos, on sait qu'il y en a un qui est sur l'objet qui a fait le bac. Ok, je suis en 1v2 avec une envie folle de faire caca. C'est l'heure de pas se chier dessus. Allons-nous réussir à faire cette belle mission? On est bien parti, 1v1, allez! Ah non, pas les yeux, non! Oh putain, en plus je l'enlève au pire des moments, je suis vraiment une raclure de chiottes! Ok, je vais mettre ma grenade comme ça pour faire une diversion quand je plante. Allez, stop, dis-moi que ça marche, mon frère! Le 1v1 pour être bronze! Putain, mais les gars, je peux pas, ils sont trop forts! Putain, mais j'ai envie de faire caca! Ah, je sais pas si là j'abandonne vite fait la game, les mecs. Enfin, abandonner, c'est un bien grand mot, mais je fais une petite pause pour aller. Je suis obligé d'aller faire caca, les gars. Attends, je touche la manette vite fait pour pas me faire balayer. Merde, pourquoi j'en suis une grenade? Putain, je suis vraiment con des fois. Je suis désolé, faut que j'aille faire caca. Mes amis, ne bougez pas, je reviens! Il est l'heure d'aller chier! Oh putain, merde, fais chier! Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Non. Vous êtes actuellement suspendu de toute session matchmaking pendant 11 jours pour comportement toxique? Ah, c'est quoi ça? Vous êtes actuellement... Attends, y'a un bug là. Vous êtes actuellement suspendu de toute session matchmaking pendant 11 jours pour comportement toxique. Qu'est-ce que tu me baragouines? C'est quoi ça? Wesh! Suspendu pour comportement toxique? 1600? Attends, c'est quoi ça, des jours? Mais Attends, suspendu pour Attends, je perds les mots, c'est quoi ça? Suspendu pour comportement toxique 1600? Un jour restant? Mais non, mais c'est même pas 1600! C'est 16 000 jours! Mais c'est quoi ça? La vie de ma mère! Attends, faut que je prenne un truc là. La vie de ma mère, toi. Écoute-moi bien, la vie de ma mère. Tu veux jouer avec moi? Attends, regarde là ma couille. Sur la tête de ma mère, ça va pas se passer comme ça. La tête de ma mère! Ça va pas se passer comme ça! La vie de ma mère! Moi, je suis un fils de pute, moi! Hein? Vous êtes content, Ubisoft? Ça, c'est dans votre grand-mère! Je n'ai aucune peine de nous!